Le groupe pharmaceutique britannique GSK GlaxoSmithKline annonce une hausse modeste de ses résultats au deuxième trimestre. Admettons que le scandale de corruption dans lequel il est impliqué en Chine aura inévitablement une incidence. Il est probable qu'il y aura un impact sur nos performances en Chine, a déclaré mercredi le directeur général de GSK, même si c'est difficile de le quantifier. Le groupe britannique a du mal à faire progresser ses résultats depuis plusieurs trimestres en raison de la perte de brevets sur certains de ses médicaments et de la tendance baissière des prix en Europe. Le chiffre d'affaires mondial de GlaxoSmithKline a augmenté de 2% au deuxième trimestre, en ligne grosso modo avec les attentes des analystes. En Chine, GSK est accusé d'avoir versé des pots de vin à des médecins et des responsables publics afin de doper ses ventes et d'obtenir des hausses de prix. Le groupe a admis que certains de ses cadres dirigeants chinois semblaient avoir enfreint la loi.